c'est Marius, j'espère que vous sentez bien en tout cas. Moi, ça va nickel. Enfin, on va dire ça. Alors, aujourd'hui, les amis, je vous retrouve pour vous faire une annonce. Oui, une annonce assez troublante qui va peut-être vous choquer. Mais j'annonce seulement l'ouverture de ma chaîne secondaire. Oui, un abonné m'a dit que ce serait une bonne chose que je fasse ça. Je l'ai fait. Mais j'ai d'autres choses à dire, d'autres choses les amis, comme par exemple il y a quelques jours, avant de publier une vidéo YouTube sur mon idole, sur One Piece quoi, on m'a mis que on me l'avait supprimé pour atteinte au droit d'auteur. Je n'ai pas compris pourquoi simplement. Et j'ai été quand même choquée du sens que je me suis dit mais non c'est pas vrai. C'était sur le scan One Piece 882 qu'on m'a supprimé où je parlais du Germa, du retour de Beige, tout ça, leader One Piece. Et apparemment au Japon, les Japonais surveilleraient les chaînes YouTube pour voir si les fans ne mettent pas d'image de scan. Ouais apparemment c'est ce qu'ils feraient. Et j'ai été malheureusement une DC victime. Ce dont j'ai peur, c'est qu'on tombe sur mes anciennes vidéos où j'ai mis les images de scan. Et j'ai vraiment trop peur parce que j'ai fait l'erreur là, de croire que mettre des images dans la vidéo, ça pouvait la rendre beaucoup mieux. Mais apparemment, je me suis complètement trompée. Oui, complètement trompée. Du sens que je vais avoir peut-être des ennuis. Et j'expliquerai ce qu'il faudra faire si jamais on est dans le problème. Et je trouve ça quand même vraiment chiant que je n'ai pas d'autre chose à dire tellement ça m'énerve, tellement que j'ai été choquée. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde, j'ai été choquée. Je voulais faire une réclamation. Autrement dit, je voulais leur demander, attends, pourquoi tu m'as bloqué cette vidéo là, espèce d'abruti. Peut-être pas dire comme ça, mais en gros c'était ça. Mais après je me suis résignée, pourquoi? Parce que en imaginant que j'ai bien fait quelque chose de déroutant, et que si je pense ne pas en avoir fait, je risque de perdre ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je n'ai rien fait dans un premier abord. Mais comme je mets tout en écriture et que j'ai relu ce que j'avais écrit, je me suis dit, bah tiens, j'ai rien fait de mal. Mais après, c'est possible que lorsque je rajoute des trucs, parce que je n'ai pas le cahier devant moi quand je fais les choses, et peut-être que j'ai dit des trucs en plus qui n'étaient pas forcément écrits, et que c'est sans doute à cause de ça qu'en réalité j'ai des ennuis. Mais encore une fois, j'espère que je n'en aurai pas d'autres. D'autres avertissements, d'autres... parce que ce serait quand même idiot. Hein. Et c'est ce Shusheyasha... Bref, vous avez le nom affiché ici. Et c'est eux qui m'ont supprimé la vidéo. Apparemment, c'est une firme au Japon en lien avec les Shonen Jump et tout le bordel. Je sais pas ce que j'ai fait les concernant. Si ça concerne les chapitres, les amis, je vous le dis, si vous êtes des apprentis youtubeurs, ne faites pas ça, ne mettez pas d'image de scan si vous voulez pas avoir votre chaîne supprimée ou avoir des avertissements. Ne faites pas ça, moi je ne le fais plus. Et c'est une raison pour laquelle, sur la vidéo du scan 885, que je n'ai pas mis d'image, seulement quelques-unes en couleur. Voilà, vous comprenez mieux maintenant où je veux en venir. Le problème c'est au Japon et si ça s'arrête pas, j'ai vraiment trop peur pour ma chaîne. Mais je reviendrai de nouveau là-dessus. Je vais vous parler maintenant de ma chaîne secondaire. Ma chaîne secondaire qui s'appelle bien sûr Marius 2 simplement. Et elle est dans la description. Et également quand vous ouvrez mon YouTube, il y a justement marqué ma chaîne secondaire, mon nom Marius 2, le même logo mais écrit en vert. Et avec des informations en plus. Pour l'instant, je ne vais pas mettre de contenu dedans. Mais en gros, ce qui y sera, ce serait peut-être des réactions. Par exemple, des réactions, peut-être sur les épisodes One Piece. Par exemple, quand il y aura Katakuri en anime, je réagirai et parlerai de lui. Ou même les SFM, les CFM de Final Fantasy Freddy's, Source Film Maker. Pour pouvoir réagir sur les SFM que j'aime, parce que j'ai beaucoup de youtubeurs qui font des SFM que j'aime bien. Et peut-être même faire des réactions dans du catch. Ça va être possible.
Je ferai également peut-être des vlogs, je vous montrerai également des figurines One Piece, des produits dérivés, tout ce qui concerne tout quoi. Peut-être donner des infos sur cette chaîne, je donnerai des infos sur cette chaîne ici. Donc mes abonnés, le mieux c'est que vous soyez abonnés sur cette chaîne aussi. Comme ça vous aurez des notifications concernant Marius, moi, et Marius 2, encore moi. Mais comme ça au moins vous serez fixés. Mais vous n'avez pas à vous en faire parce que dans la chaîne originale, il y aura toujours les théories, il y aura toujours les reviews. Mais je pense que les cas, vous savez les cas par exemple le football, Halloween, tout ça, ce sera sur l'autre chaîne, même si je pourrais faire 2-3 trucs sur la chaîne originale. Donc vous comprenez mieux comment je vais réorganiser ma chaîne, parce que celle-là il y aura les théories, les reviews, je répète. Ça restera comme ça. Donc vous n'avez clairement pas besoin de vous en faire. Les réseaux sociaux restent les mêmes, aussi bien pour les deux chaînes, c'est pas un souci. Clairement, si je fais deuxième chaîne, c'est parce que on me l'a suggéré. Je me suis dit, bah pourquoi pas, comme ça, si j'ai envie de faire des trucs supplémentaires pour pas polluer cette chaîne-là, de ça, bah je vais ailleurs. Et c'était pas con, mais c'est ce que je vais faire. Donc abonnez-vous à cette chaîne, le lien est dans la description. Voilà. Et pour en revenir à la chaîne, si la chaîne vient être supprimée et qu'on vient encore à me reniquer pour des droits d'auteur, je vais gueuler. Mais ça ne me la ramènera peut-être pas. Et c'est pour ça que vous devez me suivre sur Facebook ou Twitter. Et que si un jour je ne souhaite pas que j'ai des problèmes avec ma chaîne YouTube, le mieux c'est que vous restez sur mon Facebook, ma page Facebook ou ma page Twitter. Pour pouvoir vous redonner des informations, parce que si je viens à perdre la chaîne, j'en créerai une nouvelle aventure. Et comme ça, vous pourrez vous abonner. C'est obligatoire pour vous les abonnés de bien écouter. Vraiment à 100%, je veux que vous écoutiez et que vous en preniez note. Parce que ça ferait de la peine vraiment que ma chaîne, elle disparaisse. Mais je peux vous assurer que si elle disparaît, je serai tellement dégoûté. Vraiment beaucoup, hein. Mais je me dirais que ce sera un nouveau départ. Et ce n'est pas parce que j'ai eu un avertissement ou si je risque de la perdre que je vais renoncer. Parce que contrairement à ce que vous pensez, Marius renonce pas. Non. Il y a des trucs auxquels elle renonce. Mais pas ces genres de trucs. Marius ne renonce pas. Au contraire, c'est un nouveau départ. Et cette chaîne-là, c'est un nouveau départ. Et si je n'ai pas d'envie, je l'espère, ce sera un nouveau départ. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. Un petit cahier qui ressemble à un journal intime où je mettrai toutes sortes de choses en rapport avec ma chaîne ou les choses à améliorer, les choses que vous me dites, vous les abonnés aussi. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment... C'est des pages vierges pour le moment. Même si j'ai commencé à écrire un truc. Mais tout ça pour dire que si vous voulez... Restez abonné à moi, vous pouvez. Vous abonner à l'autre chaîne, vous devez absolument, je vous force en rien, mais vous devez absolument le faire, parce que vous retrouverez certaines vidéos ici, il n'y en aura peut-être pas autant qu'il y a sur l'autre chaîne, et surtout que je vais faire beaucoup plus de théories. Et d'ailleurs, je pense que pour l'IFAN Fire at Freddy's, pour le livre The Freddy's Files que j'ai, que je devais faire une vidéo dessus, je pense qu'il se retrouvera sur cette chaîne-là. Je le pense, hein. Mais vous verrez bien comment je m'organise. Si vous êtes abonné aux deux chaînes, il n'y aura pas de soucis. Vous verrez bien quelle vidéo sort. Et ben, comme ça, vous ne serez pas que dépourvu et puis vous ne seriez pas inquiet. Parce qu'en admettant, c'est un mercredi, ma chaîne originale ne sort pas de vidéo de ce genre. Vous n'allez pas vous en faire. C'est clairement l'autre chaîne. Donc c'est pour ça que vous devez suivre les deux et rester à fond dessus. Bon ben voilà, pour certains de mes abonnés, vous n'avez pas à vous en faire, hein. Marius se relève, Marius n'abandonne pas, mais Marius a très peur quand même, hein. Ça c'est une chose. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris en considération ce que moi j'avais à dire. Et sachez que je suis vraiment reconnaissante que vous me suiviez comme ça, que vous m'encouragez à donner des conseils, parce que c'est vrai, je n'ai pas les vidéos les de plus bonne qualité que n'importe qui. Je n'ai pas non plus la meilleure voix du monde, pas non plus être des talents d'un youtubeur contrairement
au talent des autres de mes collègues théoristes One Piece, comme le Mont Corbeau, One Piece Passion, Akeo le Doc, tout ça, je tiens vraiment à vous remercier parce que là, sans vous, je ne serais rien. Je n'aurais pas abandonné parce que je suis pas du genre à abandonner ce que j'ai entrepris comme ça. Mais je vous remercie, les abonnés, de me suivre. Et suivez ma deuxième chaîne. Ça me ferait plaisir et surtout, vous ne serez pas pris au dépourvu. Moi, j'ai dit tout ce que je devais dire. Absolument tout. Vous saurez peut-être beaucoup plus, les amis, beaucoup plus d'informations dans les jours à venir sur les réseaux sociaux parce que vous devez vraiment me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook et Twitter. Et aussi m'écouter un peu sur Google+, si possible. Mais surtout Facebook et Twitter. Beaucoup plus Facebook parce que je suis beaucoup plus sur Facebook dessus parce que je peux écrire des longs trucs. Alors que sur Twitter, même s'il y a des nouveaux caractères qui sont ajoutés, c'est pas trop ça quoi. Bon bah en tout cas, moi je vais vous laisser ici. Je vous remercie encore les amis de regarder cette vidéo et de me suivre la chaîne Marius parce que je suis vraiment contente d'avoir des abonnés. Hein. Je vous demanderai même pas de laisser un petit pouce bleu. Si tu as laissé un like pour me motiver vraiment à me relever encore plus. Bon, de toute façon, ça compte pas. Vous avez dit que je renoncerai pas. Et que c'est pas la tête que j'ai tirée en début de vidéo qui va changer. Attention. Ça ne changera pas parce que Marius est toujours dans la place. Elle le restera toujours. Peu importe, je ne suis pas célèbre comme les plus grands youtubeurs. Je n'abandonnerai pas. Donc, les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Peu importe ce que c'est. Peu importe si vous êtes fan de One Piece, Final Fantasy Freddy's, tout ça. Une vidéo sortira bien mercredi sur Final Fantasy Freddy's, tiens. Si vous n'êtes pas fan de Final Fantasy Freddy's, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours vous attendre à une vidéo de One Piece vendredi, vu qu'il n'y a pas de scan. Donc, moi, je vous laisse. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Ciao.